So until then, just wait. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre, c'est une vidéo spéciale, une semaine dans mon assiette. C'est vrai que j'ai essayé, pour ceux qui savent, j'ai vraiment essayé de ne pas faire que du porridge le matin. C'était dur les gars, réellement, c'était vraiment dur. Mais bon, j'ai quand même réussi. Enfin bref, j'arrête de parler pour rien. Et commençons la vidéo. Avant de vous proposer des idées de recettes, il a fallu bien évidemment que j'aille faire les courses. Parce que comme vous pouvez le voir, le frigo était bien vide. Mais vide de ces vides. Il me restait encore quelques produits secs, quelques denrées alimentaires comme on dit, dans mes placards et dans le congélateur. Mais au niveau du frigo, oh mon dieu, c'était la catastrophe. Il fallait vraiment que j'aille faire les courses. Comme je te l'ai dit dans ma précédente vidéo cuisine tour, je fais mes courses généralement sur le marché, à Lidl, depuis peu à Leclerc, Géant, Carrefour Market. Voilà. Avant de partir faire mes courses, je fais toujours ma liste de courses en fonction des lieux où je vais faire mes courses. Par exemple, pour le marché, ben, je vais mettre uniquement les légumes. Voilà, je vais pas mettre les légumes pour Lidl ni autre. Et ensuite, les produits que j'achète exclusivement à Lidl, ben, je mets les produits pour Lidl. Les produits que je peux trouver ailleurs, je mets ailleurs et tout ça. En organisant ma liste de courses ainsi, je passe moins de temps dans les rayons et moins de temps dans les magasins. Parce qu'au final, je sais ce que j'ai besoin. Ça sert à rien que je fasse tous les allers en me disant, ah finalement, qu'est-ce que j'ai besoin. Chacun a sa méthode. Voilà, mais l'important est de faire une liste de courses toujours et surtout de manger avant, ça évite de prendre n'importe quoi. Il fait super beau, je vous assure que l'été est là. Après presque une semaine sous la pluie ici, franchement le printemps de cette année, je sais pas ce qu'il a. Un coup il vient, un coup il vient pas, il se dit ouais vas-y je viens. Non, ça me plaît plus trop, voilà. Ah tiens. Hola chico y chicos. J'étais juste en train de dire qu'il faisait beau et qu'on va aller faire les courses. En espérant de pouvoir tout faire. Mais avant, il faut qu'on aille... Un stabilisateur sur leur... Oui. Faut que j'achète le truc là qui tient ici. Mais c'est pour les portables. Non, t'en as aussi pour les caméras. Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Comment t'as pour le dread comme ça? Je sais pas. C'est toujours comme ça. Je sais pas. Bon, Nicole, parle vite parce que ton truc va se couper. T'auras plus de batterie. Ah, ça va pas se couper. En plus, ça s'est fait belle gosse, excusez-nous. Elle râle. Parce qu'elle a faim. Les francs, ça va là. Bon, ben, on en a eu pour 100 euros. 100 euros. 110. 110. Ben, moi, 67, elle 50 quelque chose. 50, 55. Ouais. Parfait. Si l'amour est plus dur à dire, à défaut de parler, je pourrais écrire pardon. Après 3 heures de course, je suis enfin rentrée à la maison. Je vous fais un rapide retour de course pour vous montrer ce dont j'ai pris pour le mois. Comme vous pouvez le voir, mes produits sont assez variés. Vous pouvez retrouver des produits bio, des produits végétariens, végétaliens, des produits très industriels tels que le Nutella, des chips, des glaces. Vous avez également des produits en vrac, des produits frais du marché, des boîtes de conserve, enfin bref. Comme vous pouvez le voir, c'est assez varié. Le fait de varier vraiment votre alimentation, ça va vous aider à constituer des repas sains et très faciles à faire. Et surtout, à petit budget. Je vous ai posé ici, mais je pense que vous n'allez pas voir grand-chose. J'arrive pas à vous positionner correctement pour que je puisse vous montrer la préparation de ma salade composée.
Du coup, je vous dis à peu près les ingrédients que je vais utiliser et après je vais vous montrer le résultat final. Je suis désolée. Hein. Pour ma salade, je vais prendre de la laitue, c'est de la Batavia. Après, je vais prendre une betterave cuite que j'ai achetée au marché ce week-end. Et après, je vais rajouter un peu de maïs que j'ai acheté en boîte de conserve ce week-end. Ah oui, et je vais ajouter un peu de vinaigrette que j'ai fait hier soir, une vinaigrette maison. Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre la vidéo de la recette de la vinaigrette pendant que je prépare ma salade composée. Going 50-50, I bet it all up on that red and they got real shifty. Pity, pity, it's a petty crime. You see how people change their vibe when a screen up on their mind. Kevin fed a line, but fuck if I know. I'm searching for them high notes. I'm slipping in my slippers, playing samples off this vinyl. Getting better every motherfucking session with my freshness. This is imperfection, with a touch of perfect. No, I fucking murked it. At the merchants and I purchased what my curse is. In between these verses, how I really feel. So tell me, are you worth lies? I believe them if I try. For the sake of time, just give me the eye. I've been thinking about good times. Du coup, là, mon plat est prêt. J'ai ma salade composée. Je pense pas que je vais tout manger, mais on sait jamais. Parce que là, j'ai vraiment faim. Ensuite, il y a ma pizza. Comme dessert, ce sera des cerises. Bon appétit, les gens. Hey, hey. I said don't blow my high. I'm on that carpet ride. Can you keep me high? Like to see you try, try, try. I've been thinking about good times. Là, il est 16h30 environ. Je commence à avoir appétit creux. Je vous montre tout de suite mon goûter. Alors là, je vais prendre un yaourt grec. J'ai mis un peu de baie de koji. Je voulais mettre un peu de sirop d'agave, mais bon. Mes pêches sont assez mûres. Et après, j'irai aller me promener aux alentours de 17h30. Et ensuite, en rentrant, je vais faire une séance de sport. À 18h30 jusqu'à 19h. Je pense que c'est un très bon programme. Et t'as envie d'aller à la campagne et puis aller voir les vaches. Sentir la bonne bouse, brouse, bouse. Je sais pas comment on dit. T'as déjà fait du poney? Oui. Ah ouais? Dans un club? C'est le courant. Ah, mais ça va, Nicole. Une très bonne séance. Maintenant, direction la douche. Et tout, et tout, et tout.
Du coup là il est 10h20, je vais prendre mon petit déjeuner. Je vais manger des crêpes avec des fraises, un verre de jus de carotte et sur les crêpes je vais mettre du Nutella. Voilà, bon, je vais préparer tout ça. Girl, you told me that's what you needed. That's in my face. Yeah, 'cause you were coward and that was easy. Watching, waiting, problems. Watching, waiting, problems. On your breath, but in my head I still think you mean it. Thoughts left unsaid, you're fading fast, common sense depleted. Oh no, watching, waiting, watching, waiting. A few moments later. Petite pause déjeuner, il est environ 14h35. Du coup, j'ai préparé mon déjeuner à peu près comme celui d'hier. Ce sont les restes, clairement. La plupart du temps, c'est ce que je fais. Je mange uniquement des restes et puis je vis toute seule. Donc forcément, je ne fais pas des repas tout le temps, tout le temps. Regardez mes pêches que j'ai achetées à Leclerc. Je les ai achetées samedi et regardez comment ils sont déjà. Je comprends pas. Peut-être que je vais me faire un crumble aux pêches pour changer un peu des crumbles aux pommes. Enfin bref. Là, je vais manger et ensuite je retourne au montage. Bon, là, il est 19h20, 15 à peu près. Je vais manger mon dîner, simplement. Les restes d'hier. Voilà. Les pâtes okinawa, ail et persil. Avec ma poêlée de courgettes, pois chiches, à la sauce tomate. Et ce sera tout. Avec un fruit s'il y a de la place. Et voilà. J'ai fait presque 1h30 de marche avec ma petite sœur. J'avais prévu de faire une séance de sport haut du corps. Mais bon, comme j'ai fait une autre activité physique, on va dire que ça compense. Je prends une douche et session montage partie 2. Voilà. Hello, bienvenue dans la suite de ce vlog. Ce matin, je n'ai pas pris de petit déjeuner puisque je ne me sentais pas trop en forme. Un peu le ventre barbouillé et tout. Comme j'allais bientôt avoir mes règles, du coup, voilà. Le ventre ballonné, pas trop fin, voilà quoi. Désolée si vous avez mon linge qui tombe là derrière. On va dire que c'est la vidéo de la vraie vie. Voilà. Ce matin, je suis partie à mon bureau puisque je crois que je ne l'ai pas trop annoncé ici. J'ai fini mon contrat et du coup, hier c'était le dernier jour, mais comme j'étais en congé, du coup, ben, on ne s'est pas vu. Et je suis partie aussi à peu près précipitamment, donc du coup, je leur ai proposé que je passe un jour dans la semaine pour, ben, pour faire un vrai pot de départ, quoi, simplement. Du coup, elles m'ont offert une plante, des orchidées. Oh, elle est trop belle. Trop trop belle. Je vais vraiment bien prendre soin. Franchement, c'est sympa. J'ai eu droit à une carte aussi. Avec tous leurs mots et tout ça. Trop gentil. Et j'ai eu aussi des sachets d'infusion. Parce qu'elles savent que j'adore le thé. Donc voilà. C'est vraiment sympa de leur part et
Franchement, en vrai, je ne m'attendais pas parce que moi, j'ai ramené des petites viennoiseries, des trucs comme ça. Et franchement, ça a été vraiment de très, très, très belles rencontres. Au fond, je ne voulais pas trop partir. Mais bon, comme contrat oblige, c'était sur un remplacement et tout. Voilà. Du coup, là, il est déjà presque 13h. J'ai une faim. J'ai vraiment faim. J'étais à deux doigts d'aller au resto chinois à volonté avec ma sœur, qui était même plus pour, hein. Elle a dit « let's go, on y va ». Mais non, je me suis dit « vas-y, je vais faire, je vais me faire un repas, j'ai pas fait les courses pour rien, hein, voilà ». Mais je sais pas quoi manger. Du coup, là, il faut que je vois ce qu'il y a dans les placards pour manger, quoi. En fait, j'ai envie d'un truc rapide et bon et copieux. Ma sœur m'a suggéré de faire une salade de thon avec maïs parce que j'ai déjà des trucs. Enfin, j'avais une boîte de maïs qui était ouverte, qui est dans le frigo là. Et puis, comme je veux un truc rapide, bah, thon maïs. Voilà, avec des petits pains suédois complets, du fromage frais, c'est bouclé quoi. Mais en même temps, j'ai quand même envie d'un bon plat, vous voyez? Donc là, je sais pas trop. Vous savez, quand vous avez beaucoup de choses frais, ben, on sait jamais quoi faire comme plat. Bon, là, je vais faire ton maïs. Hein. Voilà, voilà. Bon, du coup, là, je vais vous montrer rapidement comment je prépare ma salade de thon. J'ai émietté le thon naturel. Et là, je vais rajouter les épices qui sont du persil, du poivre noir, de l'ail, des herbes de Provence et du curry. Je vais rajouter également quelques morceaux de cornichons, maïs, vu ce qui reste, voilà quoi. Et je vais mettre un peu de fromage frais. Et je ne mets pas de sel, puisque le thon est déjà assez salé à mon goût. My mother told me I should trust my intuition. My intuition tells me something to stay right. You've been deflecting all the simplest of questions, and that ain't gonna fly. My father told me I should keep my reputation in mind. And baby girl, my reputation's on the line. I've been defending you from rumors that are spreading, so don't hang me up to dry. But you've been staring at your phone, ain't going away from me, so I don't see the person that you're texting. Là, je vais me poser.
Ce soir, je pense pas que je vais faire du montage après avoir mangé, pris une douche, parce que bien évidemment, j'ai fait ma séance de sport cet après-midi. Je pense que je vais faire du journaling, parce que ça doit faire presque une, voire deux semaines que je n'ai pas écrit. Et autant vous dire que là-dedans, là... Voilà. Bref, on va manger. Na, na. Will you still be here? Na, 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 na. Will you still be here? Na, 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 na. J'avais prévu de faire des pancakes ce matin. Là, il est 11h dans une minute. Je suis du genre un peu patraque là ce matin. J'ai aucune motivation. Vraiment, là... Non. La recette des pancakes, peut-être que je vais faire ça demain ou ce week-end. Mais là, j'ai juste envie de mon porridge. Voilà. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que le porridge et moi, c'est fusionnel, c'est passionnel. Pour cette vidéo, je vous assure que je me fais violence pour ne pas faire de porridge. Du coup, je vais faire ça là parce que je commence vraiment à avoir faim. Et ensuite, je vais me mettre à travailler sur le montage de la vidéo. Puis vous faire des petits coucous sur Insta. Parce que ça fait un jour ou deux où j'ai pas trop posté. J'étais en train d'écouter le dernier épisode du podcast Intention des sœurs jumelles Isadora et Marisa. Du coup, moi, j'allais faire mon porridge. You didn't know as I could read the message you were sending in your sunglasses reflections. I don't ever wanna see that name again. No. It's time for lunch. À 15h, mais on s'en fout. Pour le déjeuner d'aujourd'hui, rien d'extraordinaire. J'ai juste réchauffé ma poêlée de pommes de terre, haricots verts au curry. J'ai rajouté les pois chiches pour avoir ma source de protéines végétales. Et puis voilà, je vais juste manger ça et retourner bosser. Crazy when I told him that I think you're worthy of a second try. I told him nothing wouldn't settle to the surface on a 15-hour drive. Then we were rolling to the most ironic song that I wrote, and we both sang the lyric, never let me go. I felt a shiver down my spine as I looked over at you. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi. Là, je m'apprête à aller au restaurant pour fêter l'anniversaire de mon cousin qui était... Son anniversaire, c'était hier. Du coup, on le fête aujourd'hui au restaurant. Ce matin, le réveil était assez dur. Du coup, je me suis réveillée assez tard puisque j'ai dormi tard, vu que je bossais sur le montage d'une vidéo. Ensuite, du coup, je me suis réveillée aux alentours de 11h. Le temps de scroller une heure... Voilà. Bah, du coup, j'ai commencé à prendre mon petit déjeuner à 13h. C'était un porridge à la banane. J'ai pas fait compliqué, clairement. Les porridge à la banane, c'est vraiment mon petit déjeuner cocooning. Mon petit déjeuner qui me fait vraiment, vraiment du bien. Ensuite, aux alentours de 15h, presque 16h, j'ai juste chauffé du popcorn salé au micro-ondes comme goûter. Et puis j'ai fait ma séance de sport aux alentours de 17h30. Et là, du coup, ce soir, on va au restaurant thaï. Moi, je suis plutôt contente. Voilà, j'adore le thaï. Voilà, je suis vachement belle.
Je vais vous mettre une vidéo de ma tenue. J'ai fait très simple, une robe noire que j'avais achetée sur Fashion Nova au tout début de Fashion Nova. Et des petites sandales achetées à Kiabi, collection de 2018. Bon, ben ce n'est pas tout, mais il faut que j'y aille parce que sinon je serai encore la relou qui arrive en retard. J'espère que la vidéo vous a plu. Laissez un petit pouce bleu et surtout n'oubliez pas de vous abonner. C'est juste en dessous. C'est gratuit les gars. Dites-moi dans la barre de commentaires quelles sont les idées de recettes que vous faites spécialement en printemps, été ou qu'est-ce que vous faites justement en ce moment, histoire de se partager quelques idées de recettes. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications car maintenant, je publie une vidéo par semaine, tous les dimanches. À quelle heure ? Je ne sais pas. D'où l'importance d'activer la cloche des notifications. Prenez soin de vous les gars. Profitez du beau temps. Profitez du soleil. N'hésitez surtout pas à aller sur les marchés. À prendre des produits vraiment de saison. Variés, de qualité. N'oubliez pas le pot de Nutella. Pour les crêpes le matin. Oui, je sais. C'est bizarre à le dire. Mais écoutez, parfois, il faut se faire plaisir. Avec modération, les gars. N'oubliez jamais ça. J'arrête de parler parce que sinon, la vidéo sera beaucoup trop longue. Je vous fais plein de bisous. Mouah. Besos, les friends. Yeah, I don't really know anymore how to feel something again. Think I'm just scared of falling. Don't wanna go.